Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Loulou de Scrap et compagnie. Donc hier, je vous ai fait un unboxing justement des papillons. Comme je suis partie en vacances, et ben j'ai oublié de la mettre en ligne, donc du coup je l'ai mis hier. C'est la vidéo du 13 du 8 unboxing des papillons, si vous voulez la revoir. Donc voilà. Et ici, je vais vous montrer... Ben, pas l'avancement, mais que je l'ai terminé pendant les vacances. Donc c'est une toile 40 sur 50 qui vient de chez Befeuillon Jewel Store, un truc dans le genre. Si ça vous intéresse, je le mettrai en barre d'infos. Mais comment je vais dire le quoi? Ben, ça veut pas venir, mais de la façon qui est venue, c'était tout y était plié. Bon, j'avais pas de rivière, donc ça a été, mais tout y était plié. Je l'ai pas repassé, je l'ai quand même fait comme ça, et je vais vous montrer ce que ça donne. Et il est déjà encadré. Donc voilà, j'espère que vous allez le voir quand même, parce que comme il est encadré, c'est pas évident. Donc voilà. Donc il donne ça, il est beau. Les diamants, je peux pas dire. Ça va quoi. Bon, il y a quelques écarts, mais je peux pas dire, il est quand même beau. Hein. Donc voilà, j'ai presque pas eu de chute. J'ai eu ça comme chute. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. Hein, généralement, c'était l'inconnu au bataillon et quelques chutes. Mais sinon, les diamants en soi-même, ils sont mieux que chez Home Fun. J'ai pas de petits embouts qui ont été sur le côté, ni rien. Franchement, j'ai été très, très agréablement surprise par la qualité des diamants. Voilà, et en plus, il m'en reste quand même... Un beau paquet. Donc c'était dans des sacs à chez Zippé. Il me reste vraiment un beau paquet de diamants. J'avais eu 100 grammes de 939. Il me reste tout ça. Quand même. Non, sur les diamants, j'ai rien à dire. Et j'avais de tout. Regardez, j'ai reçu quand même un paquet de diamants. J'en suis quand même contente. Voilà le résultat du DP papillon. Et aussi, j'ai quand même mis, comme il y avait quelques diamants qui popaient, eh ben j'ai suivi Estelle. Je pense que c'est Estelle dans... Je peux pas, j'ai diamant de painting. Et j'ai pris un vitrificateur de parquet, comme ça. Ça marche super bien, je suis super contente. En plus, les diamants, il fait pas le focus. Hein. Fais-moi le focus. Je crois qu'il veut pas parce qu'il y a la vitre. Donc, vous voyez. On ne voit pas du tout qu'il y a quelque chose dessus. Et pourtant, j'ai bien mis du vitrificateur de parquet. Donc voilà pour cette petite vidéo pour vous montrer que j'ai terminé mon DP papillon. Et je vous dis à tous, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à vous tous sur vos DP. Gros bisous, ciao!